finalement, c'est quoi? Oui, on continue. Il y a une mission. Il faut que la mission soit la même. Il faut que la mission soit la même. Il faut que ça va bien. J'ai battu la gueule. C'est bon. Bande de Kobalandi. Bino batu bolanda ki biso to bino batu bozali na mesen ya kolanda biso boyebite emission na biso ya mbala ya sima esukaki to pesaki conclusion te to sukisaki po makambo ya koloba ezalaki mingi maître Jean-Pierre yalo yazali lisusu invité na biso lelo na prophète Placide azali lisusu invité na biso lelo to kabaraki na bango maître Jean-Pierre alobi à cause de la démonstration de Misa prophète Mbongo, prophète Alobi, ce qui est de Misinga Mbongo, dans le ministère de Nai, Angers. Alors, na ébité, si quoi, maître, il y a beaucoup de Misa Mbongo. Oui, prophète, tiens. Prophète, il y a veste, il y a Misa Mbongo, tu sais. Misa Mbongo, il y a son akati. Écoutez, d'abord, papa Georges, oui. Ce n'est pas que je n'ai pas de banaye. Abi Misambongo sur place, veste à veste là-bas. Ce n'est pas d'abord poli, ce n'est pas poli. Moi je suis un pasteur, il y a des fidèles dans la Nangaï. Non, non, je suis un responsable. Non, 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 non. Même dans le groupe, on a Abi Misambongo. Non, moi je suis un pasteur. Jamais. Parce que moi je suis un pasteur. La veste, attends, la Abi Misambongo, on a dit. C'est pas la veste là-bas. Non. La veste là-bas, on n'a jamais veste là-bas. Bon, ok, je dis ceci. Même si vous voyez, on a un peu ici. Donc la veste, ce n'est pas poli, donc on peut la bande de l'autre. Non, non, non. Et qui m'a à tiens, la messe. On peut abandonner à la vérité. Contrôlez-moi. Et c'est exactement si tu amènes avec les médias, tu amènes avec les sicoles. Avec les sicoles. Mais ça, c'est on dirait tatami. S'il vous plaît, Toyo, Kana. Si tu amènes avec les médias, moi je vais. Si tu la veste, la messe, ça, la messe, ça, la messe. Non, c'est pas poli. C'est pas poli. Toyo, Kana. C'est pas poli. C'est pas poli. Toyo, Kana. Toyokana, la lumière qui n'a pas. Maître, Toyokana. J'aime votre courage. Peu évoluer. La lumière qui s'y connaît, la lumière boyée. Moutouna, ils allaient à maître, ils allaient à prophète, ils allaient à boyer son bibalé. Moutouna, là, ils allaient boyer. Tous les jours, on a macambé à Rubim, c'était pour Boyokanité. S'y connaît, il y a un angélo, ils allaient mine. Importance, il y a un bango, ils allaient mine. Maître Alou Bazali et Bélé, tu as commandé Bango. Prophète Lobi, Bazali, mais tu as commandé Bango. Tu as commandé Bango. Tu as commandé Bango. C'est quoi l'importance de Bango et Zalini? Merci. L'importance des anges, ils ont important que les anges aient la mission de Bélé. Un, pour nous protéger. Deux, pour nous délivrer. Trois, pour nous communiquer la pensée des seigneurs. Cinq, pour nous diriger. Six, pour nous fortifier. Alors, c'est pour nous accompagner dans la carte de la propagation de l'évangile. C'est pour dire que le ministère des anges est biblique. L'ange va opérer. Je donne un exemple dans Jean chapitre 5, versets 1 à 13. On nous parle, il y avait une piscine de Bethesda, un ange qui descendait de temps en temps. Celui qui était malade, même si on a boité, quand il tombait, il était guéri. Dans le dernier ministère, il y a la guérison, il y a la délivrance. Mais l'ange est mort sur Bazali sous la prérogative de Nzambe. C'est-à-dire que nous avons la routine là-bas. Mais comment nous bénéficions de ce ministère des anges? Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. On dit que Dieu est la montagne de Sion. Dans cette montagne, il y a des myriades d'anges. Et nous, les justes, nous sommes parvenus vers cette montagne. Or, comment nous sommes parvenus à Dieu? Un, d'abord, Christ est mort pour nos péchés. Jésus est mort à la croix pour mes péchés par rapport au péché adamique. Mais comment nous bénéficions de cette œuvre accomplie par Jésus? Éphésiens chapitre 2, 8 à 9. On dit, un, le salut vient par la grâce, deux, au moyen de la foi. Quand j'accepte l'évangile, qui est la prédication de la croix, d'office, les anges sont actifs. Maintenant, je parle, ils sont avec moi. Quand je marche, pas ça, mais je n'ai pas le droit de connaître qui est cet ange. Qui est-elle? Mais quand est-ce que la Bible nous donne la possibilité à Babango lorsqu'il y a l'apparition angélique? Donc l'apparition angélique dans la cité est biblique. Un ange vous dit Melayo ou Melangai. Parce qu'on a vu ça même dans Katia, exécuté son ministère à Jésus, même dans l'église primitive. Mais aucun apôtre, maître Jean-Pierre Apessi, Nani, acte 12, a dit que il faut qu'il y ait ange. Non, maître, soyons sérieux avec la parole. Parce que la vérité est tellement têtue. Lisons
na partie verset 1 il a dit ce roman na livre Actes chapitre 12 de verset 1 dit la verset numéro 13 l'église est priée. Écoutez, tu es venu à l'invocation. Moi, je suis venu à l'invocation. Moi, je suis venu à l'invocation. Aïe, aïe, aïe. Maître, vous avez tant pour aux hommes. Tout ça, la confusion, c'est toujours la invocation, la invocation. Oui, on est venu à l'invocation. Oui. Maître, vous avez tant et après, vous avez une invocation. Oui, il y a un peu d'expliquer. Donc, tel que j'enseigne, l'ange est permanent. Les moyens pour permettre que l'ange soit actif. Va accompagner Bissot. Oui, le PC, c'est la foi. Parce que, maître a soulevé que les anges ont opéré le ministère à Moïse. Je dis Amen. Bah, ange va opérer le ministère à Israël. Je dis Amen. Mais, tant l'exode, malamou a PC, exode, que moi-même, j'enverrai un ange, beaucoup de temps, ça y est. Maître, tant la Bible est bien, cet ange, on va bien dire l'ange de l'éternel. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 23. Dieu est un esprit, c'est un être incorporel qui peut se manifester en volontairement que se manifester. Dieu est un esprit, il s'est manifesté dans l'Ancien Testament sous l'appellation de l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, c'est la théophanie. Théos, maître, laissez-moi s'exprimer. Théos qui veut dire Dieu, phanie qui veut dire manifestation. Comment ange? Non, je dis la théophanie, c'est la manifestation visible de Dieu. Dans la théophanie, Dieu peut se manifester sous forme de rêve. Il peut se manifester sous forme de songe, il peut se manifester sous forme humaine. Je prends un exemple. Si vous m'appelez, nous sommes dans la lobby concernant l'ange. Parce que il y a le Seigneur qui dit, ma zone est rouge, mais c'est à la décanter. Le problème de Zanini, tu donnes les écritures. On dirait que Zanini colle le monde. Non. On parle. Parce que l'ange, on le dit l'ange. Mais c'est quoi? Maître, les premiers alliés, l'interprétation de la parole. Bible le dit, aucune écriture doit être une interprétation particulière. Nous avons trouvé là-bas ange, on a cité l'ange Moussous. Et puis, tu vois, on a la possibilité qu'un chrétien peut invoquer un ange. Oui! C'est ça, maintenant, c'est là où on est au Kabouana. Donc, place vos yeux au Kanaté. Invoquer, demander, prier, adorer. Général. Il y a dit que s'il y a une écriture dans la Bible où un ange a été invoqué par quelqu'un dans la Bible, a été adoré, prié, mettre un peu sa langue au Nélo, parce que moi, Natangi, l'Ancien au Nouveau Testament, j'ai même écrit un livre aussi, l'angéologie biblique. J'ai fait même mes recherches. Mais si demain il me dirait dans la Kabbale juive, dans l'église de Babylone, la grande Babande Kabulingo. Là-bas aussi, on invoque Gabriel, on invoque Michael, parce qu'eux aussi font partie des mouvements ésotériques. Moi, je vis même maître. Mais les ésotériques, c'est satanique, hein. Mais toujours les mieux. Bon, je te laisse le temps. C'est normal, conseiller. Voilà. J'ai dit, papa, Baba Nabisso, si maître enseigne qu'il faut qu'on invoque les anges, ordonner. Non. Voilà. Pas de problème. Ordonner, commander, opérer, tout qu'on soit comme nous, l'ingui. Si on a besoin de Babongo, appelle sa bise sur écriture. Parce qu'elle dit que Jésus-Christ a salué le Kiao. Oui, oui. Si on appelle cela écriture, dans le but, Amen. Parce que moi, je suis un évangélique, je crois à la parole. Si cela est vrai, je dirais Amen. Mais si, et ça,